Yo les gars, c'est Unost. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire pour créer ou plutôt pour mettre un logo sur son équipage et aussi à créer un équipage. Donc du coup, je vais vous montrer deux cas, deux façons pour que vous puissiez mettre des logos sur vos équipages. Voilà. Ou plutôt sur votre équipage. Je pense que là, je l'ai mieux dit. Bon, il y a des conditions. Deux conditions. Première condition, c'est qu'il faut aller sur Pirate. C'est même pas une condition quand j'y pense. Et deuxième condition, il est un peu objectif. Il faut être level 300 pour pouvoir créer son propre équipage. Voilà. Quand tu seras level 300 et que tu seras mis Pirate, tu vas aller sur ce fameux logo. En fait, c'est un logo. Voilà. Un logo de piraterie, tu vas là-dessus, là tu vas créer le nom de ton équipage. Voilà, c'est marqué créer un équipage. Par exemple, là je vais mettre Team Twin. Voilà, ça c'est l'équipe de Team Twin. Normalement, après, si je veux mettre un logo, je peux appuyer sur créer, ça va me créer avec ce logo. Mais c'est un peu moche. Nous on veut quelque chose d'original. Donc on va appuyer ici. Donc du coup, ça nous propose de mettre un lien de notre logo, car tu ne peux pas mettre une photo venant de ta galerie. En fait, il va falloir que tu mets un lien de cette photo qui vient de ta galerie. Voilà. Donc, pour mettre le lien, il va falloir que vous allez sur votre profil. Quand vous serez dans votre profil Roblox, vous allez aller sur Créer, qui se trouve tout en haut. Et quand vous serez sur Créer, vous allez sur My Creation, puis vous allez sur Décal. Et quand vous allez sur Décal, là, vous trouverez déjà, j'ai déjà fait pas mal de logos, comme vous pouvez le voir, c'était des tests. Puis, pour mettre votre propre image, vous allez sur image, comme ça vous pouvez mettre, et puis vous pouvez écrire, ainsi vous appuyez sur upload, comme ça vous pouvez mettre votre image. Là, je vais mettre une image pour vous montrer un exemple. Je vais choisir cette image qui est tout au premier. Je vais mettre le nom qui sera Team Twinost, comme ça je pense que ça sera un peu parfait. Je vais écrire comme ça, voilà. Puis, je pense qu'il vaudrait mieux ajouter ange à la fin, voilà. Et là, je vais appuyer sur upload. Ainsi, l'image sera mise, mais il faudra attendre quelques petits instants pour que l'image puisse s'apparaître. Voilà, et quand l'image va s'apparaître, ben là tu vas appuyer sur cette image, ainsi tu vas copier le lien de cette image. Et quand tu vas copier le lien de cette image, tu vas retourner dans le jeu. Et quand tu vas coller le lien là-dessus, normalement l'image va s'apparaître dans la petite partie qui se trouve là. Puis vous appuyez sur créer, ainsi vous allez créer votre équipage et il y aura aussi le logo qui sera là. Et voilà, maintenant on vient de créer un équipage avec un logo très original. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez mettre un logo sur votre équipage d'une image qui ne vient pas de vous, c'est-à-dire qui a déjà été créée, mais pas par vous. La première image, on l'avait fait sur My Creation puis Décal, mais cette fois-ci, tu vas aller sur Creator Marketplace. À partir de là, ce sont des images qui ont été déjà créées. Tu vas aller sur Décal, puis tu vas trouver pas mal d'images qui ont déjà été créées, mais là on n'en a pas besoin de prendre parmi ceux qui sont là. On va plutôt écrire un nom. Je vais écrire pirate. Vu que je cherche un logo de pirate, je pourrais choisir parmi celles qui sont proposées, mais aussi je peux naviguer un petit peu en appuyant sur cette touche, comme ça pourrait me mettre sur une autre page. Mais bon, ce n'est pas grave, là je vais prendre juste une au hasard comme celle là qui se trouve là, puis j'appuie dessus. Ainsi, quand ça va s'afficher, je vais prendre le lien, je vais faire un copier-coller, c'est-à-dire je vais copier, puis je retourne dans le jeu. Je quitte d'abord l'équipage que j'avais créé. Voilà, maintenant vous pouvez aussi voir comment faire pour quitter un équipage. Voilà. Et quand j'ai quitté l'équipage, je vais plutôt coller le lien que je viens de copier là-dessus. Ainsi, je peux appuyer sur créer pour avoir un nouveau logo. Voilà. Maintenant, j'ai un nouveau logo. Ainsi, c'est parfait. Si je veux le garder, je peux le garder. Mais si je veux le supprimer, je peux quitter l'équipage. Voilà. Comment ajouter quelqu'un dans son équipage? Pour ajouter quelqu'un dans son équipage, il va falloir que vous allez d'abord sur le logo, puis vous écrivez son nom dans la petite barre qui se trouve là. Vous appuyez son nom. Bon, de toute façon, il faudrait que vous écriviez plutôt son nom d'identifiant, c'est-à-dire son ID de Roblox, mais pas le nom qui est marqué en haut, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes. Là, je vais ajouter des amis et vous allez voir comment je fais. Ainsi, vous allez remarquer que la façon de leur nom, ils sont, ce n'est pas la même façon que je les écris. Mais j'écris que leur nom d'utilisateur, c'est-à-dire leur identifiant de Roblox.
Là, je viens d'ajouter Adam. Et comme vous pouvez le voir, c'était marqué que c'était parfait. Donc, en retournant, en appuyant sur le petit logo, normalement, je dois le retrouver. Voilà, maintenant, on voit qu'il est dans mon équipage. Maintenant, je vais encore ajouter une autre personne. Quand ça t'affiche que player is already in a crew, ça signifie que cette personne a déjà un équipage et que tu ne peux pas l'ajouter tant qu'il n'a pas quitté son équipage. Comment savoir si quelqu'un m'a ajouté dans son équipage? Pour savoir si quelqu'un t'a ajouté dans son équipage, il faut juste aller dans le petit logo de piraterie. Ainsi, tu verras le nom de l'équipage sera affiché, tu auras le choix entre rejoindre ou ignorer. Si tu rejoins l'équipage, tu pourras voir tous les membres de l'équipage ainsi que le capitaine. Et aussi, tu pourras voir les niveaux des membres qui seront là-dedans ainsi que leurs primes. Voilà. Maintenant, j'espère que cette vidéo vous aidera à créer votre propre équipage. Ainsi, vous pouvez suivre votre propre aventure. En parlant d'équipage, j'ai déjà fait une vidéo comment faire pour augmenter les membres d'équipage. Parce que les membres de l'équipage, ils sont limités à 15. Ce qui signifie que dans une autre vidéo, j'ai fait comment pouvoir augmenter ce nombre de passer à 15 jusqu'à 25 membres. Je vous invite à regarder la vidéo qui se trouve dans la description. Ainsi, vous pouvez savoir comment vous pouvez faire pour augmenter les membres de votre équipage. Ainsi, vous pouvez conquérir Bloxfruit avec votre équipage.